Le Shabbat, la période dans laquelle nous nous trouvons avec plus de précision, le Shabbat, qui est une période de Tshuva, c'est un des concepts les plus riches, les plus profonds de du judaïsme. Et la question la plus première est le mode de fonctionnement de la Tshuva. Comment peut-elle être effective? Imaginons que quelqu'un fait un cause un dommage à qui que ce soit, fait une erreur. Est-ce qu'il dit « je regrette » Il vient devant le tribunal « je regrette ». C'est bien. Déjà, exprimer un regret, c'est une circonstance atténuante, mais ça n'efface jamais. Quelqu'un qui regrette, il a cassé quelque chose, il dit « je regrette ». Donc quoi? Tu es exempt de payer, de rembourser? Ça n'existe pas. Donc, quelqu'un, un regret, ne peut pas réparer un acte négatif. Ça n'existe pas normalement. Un regret ne peut pas réparer un acte négatif. Tu as fait quelque chose de mauvais, eh bien tu payes, point. Tu ne peux pas considérer a priori que quand il y a un regret, donc quoi? On va dire un acte négatif, c'est-à-dire que le chet, on n'imagine pas à quel point il est destructeur et terrifiant. Donc quelqu'un qui a fait un chet, il a réalisé quelque chose de très grave. Alors comment la tshuva peut-elle être considérée comme un élément qui va permettre d'effacer cet acte terrible qui a été fait? Alors c'est un sujet très vaste. Juste permettez une petite nekuda, l'Einu Nishmat. Le Messilat Yesharim, dans Perek Dalet de Messilat Yesharim, il dit que le monde est géré par un alliage entre le Din et Rachamim. Il y a la rigueur et aussi la miséricorde. Il dit que tout celui qui pense que le monde est géré que par la miséricorde et que il dit bon, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, Hachem, on se comprend, hein, on s'aime. N'est-ce pas? Il me comprend. On s'aime, on se comprend. Il sait très bien que Shabbat je ne peux pas faire. Mais je l'aime. Il sait que je l'aime. Je n'ai pas besoin de faire pour lui montrer que je l'aime. Je peux manger quelque chose qui n'est pas très cachère. Hachem, il sait que je l'aime. C'est l'essentiel, c'est de l'aimer dans le cœur. Donc, c'est bon, on se comprend. J'arriverai à après 120 ans. Il saura de qui je suis. J'ai vécu avec lui très fond, profond, plus profond de mon cœur tout au long de ma vie. Pas de problème, on s'entend. Ne vous en faites pas. Pourquoi ils font les mitzvot? Pour ceux qui n'aiment pas forcément, mais moi, bon, etc. Tout ça, donc, c'est des illusions, mais complètement qui divaguent. Il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça. Ils disent le Tzviat Yesharim, Magmaral dit, Kolomer Akadosh Baruch Hu Vatran, il a trouvé oui. C'est-à-dire que celui qui pense que Hachem, c'est bon. L'essentiel, c'est grave. Alors, il dit donc. Toujours il y a du din. Mais il y a aussi Rachamim. Il y a du din. Il faut savoir quelqu'un il fait. Il y a un din. Mais il y a Rachamim qui atténue le din. Alors en quoi consiste Amidat Rachamim? Amidat Rachamim nous dit le Misilat Yesharim consiste à repousser l'échéance, laisser du temps pour réparer ce qui a été commis, etc. Mais il y a din. Ça veut dire que tu as des comptes à rendre. Tu dois payer celui qui est là. Et puis le Rachamim dit ok, t'as. C'est pas immédiat. Mais il rajoute aussi. Que... Et dans ce cas-là. Celui à qui, Hachem ne laisse pas le temps, justement, de parler. Il ne va pas jouer sur la tête. Il peut y avoir, désolé tout de suite, mais il peut y avoir aussi une échéance. Ça fait partie des Rachamim, tel qu'Hachem considère. Mais ça peut, voilà, c'est Rachamim, mais il peut y avoir Rachamim. Rachamim, ça efface pas, mais ça repousse l'échéance. Aussi, il dit dans son livre très, très riche de Mesilat Yesharim, il dit comme ça. Il dit que comment la tchouva marche? Alors, c'est la tchouva quoi? C'est pas du din la tchouva, c'est pas compréhensible. Comment? Tu as déjà fait quelque chose? Il dit, c'est techachev, akirat aratson ka akirat amase. Que le regretter le désir, l'acte, donc c'est le. Akirat aratson, ça veut dire ne plus désirer cet acte, c'est comme l'effacer. Akirat aratson, le ratson, je veux plus ça, je veux pas. Cette vie comme ça, je ne m'intéresse pas. Akira Taratson, j'efface. Il dit que ça ressemble à Tarat Nedarim. Akira Tadavar Mirtsono, qui Hashem Loka Akira Taneder. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Akira Taneder. Il dit que c'est comme ça le fonctionnement. Mais ben, c'est quoi Akira Taneder? Je donne un exemple. C'est quoi Akira Taneder? Quelqu'un vient chez le Rav et il lui dit, je me suis énervé hier. Et j'ai fait telle et telle chose, j'ai fait telle et telle neder. Alors, c'est ce qu'on appelle une charata. La Gemara Nedarim Chafalef Amoudbet,
Liba Khalach, oh, j'étais très énervé quand j'ai fait ça. Top, le Racham, il lui dit Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. Et un pétard, ça veut dire qu'il n'était pas au courant de toutes les données au moment du Néder. Et la Kharata, c'est le regret. Top. Regarde chez le Rav, il lui dit je regrette profondément, Rav. On lui dit ah, tu regrettes profondément. Top. Alors, Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. Aval. Imaginons que quelqu'un a vendu sa maison. Parce qu'il était très énervé. Contre Kaël, il a dit voilà, je vends la maison. Ça y est, c'est fini. Elle est vendue. Une semaine après, il se calme. Il vient au Beit Din, il dit, vous savez, j'ai vendu la maison, j'étais témoin, j'étais super énervé. Qu'est-ce qu'on lui dit? Où tu habites, nous, donc, vous, maintenant? Hein? Quelle est ta nouvelle adresse? Quelle est ta nouvelle... Quelle est ta nouvelle adresse? C'est pas parce que je suis énervé qu'on peut annuler une vente. Alors, c'est parce que tu es énervé que tu peux annoncer un Néder. Alors, la Tarat Nédarim, c'est quelque chose qui n'existe nulle part dans la Laha, pas dans Tarat Nédarim. Ça n'existe pas. Tu regrettes, tu étais en colère. Asma, assume, tu assumes. Qui avait fait un dommage parce qu'il est en colère, il n'est pas tour. Tu assumes. Tu as fait un Néder, tu es en colère, tu assumes. On voit ici qu'il y a un moussak de Akira Taneder. Ma pchat, ma pchat. Aïe, 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 si on avait des heures. C'est des sujets brûlants. Bon, là. Alors, le Yesod est le suivant. Le Yesod est le suivant. Je dis brièvement Yesod. Ça dit comme ça. C'est qu'en fait, on considère que le juif, il a quelque chose en lui de pur. Qui est sa véritable essence et qui désire de profondément que le tov, que le bien. Après, il y a une couche superficielle qui n'est pas véritablement sienne, fondamentalement sienne, qui a été rajoutée à cause d'autres éléments, mais qui n'est pas pure, qui n'est pas son vrai ratson. C'est pas son vrai ratson, c'est pas sa vraie volonté. Sa vraie volonté, c'est ratson Hashem. Et lorsqu'un homme crée par la parole, ce qui est fantastique, neder, c'est la parole, pas qu'il a fait, créé par la parole, alors, ou bien il crée une réalité comme la Touma, comme Hekdesh, etc. Il n'y a que l'essence juive en mesure de faire cela. Et s'il révèle qu'en fait, ce n'était pas son vrai Ratson, alors il s'avère que cette parole créatrice, qui est un Néder, ne tire son origine que de cette essence juive. Et s'il était énervé, l'énervement lui faut faire des choses qui ne sont pas véritablement sa nature et son aspiration profonde. Il y a donc des fois des comme ce n'est pas son aspiration profonde, sincère, parce que le roi Shtout, il a un roi Shtout. Le roi Shtout, c'est quelque chose qui lui... Pourquoi il s'énervait? Parce qu'il a un roi Shtout. Ça, ça fait que ça atténue un petit peu le koach du Néder. Ça, c'est donc les... Le Yehudi, dans son essence, il aspire au Tov. Il aspire au Tov. Il y a des choses qui ont fait qu'il a, des mauvaises habitudes, il a vu des mauvaises choses. Dans son essence, il y a quelque chose qui n'est pas au top, qui lui donne l'illusion de vouloir. Ouais, il y a une expression, il dit « c'est plus fort que moi ». C'est quoi « c'était plus fort que moi ». J'ai fait quelque chose, c'était plus fort que moi. C'est qui toi et c'est qui a fait? Il y a moi et il y a celui qui a fait. C'est pas moi. Il y a quelqu'un. Donc ça c'est le Yesod. Il m'a mis hors de moi. Pardon ? Il m'a mis hors de moi. C'est qui moi? C'est, voilà, c'est moi. Il y a moi et il y a hors de moi. Donc on voit que les sens juifs aspirent toujours au bien. Et là, c'est la tchouva. La tchouva est comme ça. Si je considère que ce comportement me convient, c'est l'expression de ce que je suis. C'est que je me sens bien en harmonie. C'est vrai que rationnellement, ce n'est pas top. Mais c'est comme ça que je vis. Que veux-tu? J'aime ça. Je me sens à l'aise avec ça. Alors c'est toi qui fais ça. Alors tu ne peux pas espérer à la tchouva. Tu ne peux pas espérer à la tchouva. Quand tu considères que certains comportements de ton quotidien sont en réalité des tâches, ça veut dire que je ne me sens pas à l'aise, même si des fois ils pourraient le faire, en fait, je le sens que c'est étranger à moi, ce n'est pas l'expression de mon être, ce mode de vie, ce comportement. Ce que tu considères comme une tâche, donc on considère comme si c'était quelque chose d'étranger à toi. Comme si quelque chose d'étranger à toi, le Yom Kippour a la force d'être comme une machine à laver. Si vous mettez un vêtement noir dans la machine à laver, il ne va pas ressortir blanc. Mais si on met un vêtement noir de saleté, il va ressortir blanc. Parce que ce qui est extérieur est nettoyé. Ce qui est la couleur ne peut pas être nettoyé. Ça, c'est les Yesod de Yom Kippour. Si je dis à Hachem, écoute, j'ai fait des choses. Mais ça, c'est pas moi. Ça veut dire quoi, c'est pas moi? C'est quoi, c'est pas moi? C'est toi, oui, c'est vrai. Mais comme c'est un Tarat Nedarim, tel que moi aujourd'hui je me perçois,
et je vis ce comportement, il est complètement extérieur à mon essence, à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être. Je me sens en décalage, déphasage de ce mode de vie. C'est pas l'expression de ce que je veux profondément. Hachem, il dit, ah, toi, tu le vois comme une tâche. Alors, je le considère effectivement comme appartenant, étant l'origine d'une écorce qui, finalement, n'est pas ton essence. Et donc, on passe à machine à la veille en Kippour et tu ressors blanc. Mais si tu dis, écoute, Hachem, nous bagadons, nous cette erreur, c'est moi. Bon, c'est vrai, c'est pas bien, c'est pas top, mais j'aime, je me sens bien. C'est ta couleur. Si c'est ta couleur, tu viens en faire quoi? C'est pas cher, le tchouva. Ça, c'est l'essence. C'est pour ça que le Messie Jérémie dit que c'est comme un... Parce que comme Be'etzem, l'essence juive, il y a toujours quelque chose de pur de cette essence, qui aspire au bien, qui veut le bien. Si toi, tu t'identifies avec cette dimension, alors il y a évidemment plusieurs couches, mais ça, c'est pas moi. Ce que je veux, c'est le Tov. Ah, si tu veux le Tov, alors c'est quelque chose d'extérieur à toi. C'est quelque chose d'extérieur à toi, alors on va te l'effacer. Kippour, la définition, la traduction du mot Kippour, c'est nettoyage. Quelqu'un qui est sale, il se sent mal. Il est sale, il a besoin de prendre une douche. Ça marche pas. Quand la douche, ah, donc Yom Kippour, ça Yom Tov. Ça Yom Tov, là Yom Tovim. Pourquoi? Parce que avoir le corps sale, c'est pas bon. Mais avoir l'âme, l'intériorité, la conscience sale, c'est aussi pas bon. C'est aussi dérangeant. Yom Kippour nous aide à nous débarrasser de tout ça, mais à la condition que nous le considérions comme une saleté. Si on considère comme saleté, Hachem le considérait comme tel. Et si Hachem le considère comme tel, alors on a toutes les chances, Bezrat Hachem, d'être purifié. Voilà un petit peu l'idée de la tchouva, c'est de savoir que l'essence juive aspire au bien. Il y a d'autres choses qui sont greffées. Et si moi je les considère comme extérieures à moi, et ce que j'ai fait c'est extérieur à moi, Hachem le considérera comme étant fait par quelque chose qui t'a encouragé, qui est extérieur à ton essence. Comme Atarat Nedarim. Et là, et c'est là que provient donc la kapara. Donc il y a de la rachamim, mais c'est aussi un din, parce que c'est vrai que j'ai fait. Enfin, je peux considérer que ce n'est pas le moi profond qui l'a fait. C'est quelque chose d'extérieur. Tel que moi je me considère, alors on considère ce qui a été fait, est-ce que ce n'est pas mon moi, ou finalement par une tum'a extérieure qui a essayé de se greffer, qui m'a fait faire certaines choses que je regrette aujourd'hui amèrement. Zakou Baron.